réveil bien difficile, oh mon dieu, oh my god. Donc aujourd'hui, petite brocante vers Pizzeux, voilà, donc avec une belle voix du matin, un réveil plutôt drastique. Il est actuellement 6h du matin et personne n'est rentré encore dans le stade. Je suis morte, et normalement dans 1 heure en gros, c'est horaire des visiteurs. Mais bon, là, exception quoi, comme d'habitude. Comme d'habitude en Normandie. Donc voilà, allez, c'est parti, on va voir ce qu'on va trouver. Hop, je vais vous prendre celui-là. Vous avez autre chose en termes de jeux vidéo ou pas du tout? Non, il n'y a que ça. D'accord. Jeu de voiture. Ok, je vous remercie. C'est 20 euros. Ouais. Ah, je vais avoir tout ça. Il y a deux manettes plus une enfant. Ok. Non, non, il n'y a pas de soucis, je vois à peu près ce qu'il y a. Et vous les faites à combien les petits packs? C'est 10 euros chacun. 10. Ouais. Ok, je vous remercie. Vous les faites à combien les jeux? Ça dépend lesquels. Tac. Très bien. Ah, il y a les prix peut-être dessus, non? Pas forcément. D'accord. Ça se discute. Ça se... Très bien. Un petit peu rouillé celui-là. C'est la dommageance. Vous les faites à combien les jeux? Je peux me permettre, je vais juste poser ça. Oui, oui, allez-y. Bien le bonjour à tous, c'est la traqueuse et oui, elle est là, elle est de retour, elle est motivée plus que jamais, ce n'est pas vrai. Je suis fatiguée. C'était mon premier live vide-grenier. Je suis fatiguée. C'était incroyable, franchement ça m'a fait énormément de plaisir, vraiment, vous savez même pas quand vous faites ça depuis tant d'années et là vous reprenez d'un coup, c'est vraiment agréable et en plus les gens étaient très très gentils. J'en ai fait qu'une seule, c'était à Pizeux et voilà, c'était vraiment le top, même si j'ai pas trouvé des choses hyper intéressante, hein. De toute façon vous l'avez vu dans le live, c'est pas hyper intéressant, mais voilà, j'ai trouvé des petites choses qui me convenaient et c'était vraiment très cool, voilà, je tiens à vous dire que c'est un plaisir, merci, et on est de retour dans les vidéos, hein, maintenant, voilà, un petit peu plus de motivation, donc voilà, c'est parti, je vous montre tout ça. Alors, donc, on va commencer par de la DS. Alors, je suis assez contente et en même temps déçue. Contente quand j'ai vu le titre et déçue quand j'ai vu l'état de la boîte et il était sans notice. Ça s'appelle le Soul Bubble. Alors, le Soul Bubble, vous voyez, donc voilà, il est explosé là et il n'a pas la notice. Donc, il n'y a pas la notice, Soul Bubble. C'est un petit jeu, chaque fois je voyais sur les stands, et bah, c'était pas trop cher, il me tentait pas, et en fait je me suis renseignée sur ce jeu-là, et je l'ai trouvé plutôt pas trop mal, et plutôt beau. Donc j'ai dit vas-y YOLO, de toute façon ça faisait déjà plus d'une heure que je trouvais rien du tout, et le temps que les gens s'installent, donc petit Soul Bubble, donc ça a l'air quand même sympathique hein, comme jeu, c'est cool.
Ensuite, un petit... Alors, c'est Spectrobe. Spectrobe, le deuxième volet, Les Portes de la Galaxie. Toc, donc je n'avais pas cet opus-là, donc je suis vraiment très contente. J'avais commencé un petit peu le premier opus. Bon, j'ai pas fini, hein, comme d'habitude. Donc voilà, donc j'ai pas fini, mais je le voulais absolument, le 2. Donc celui-là, je l'ai trouvé. Comme le Soul Bubble, je l'ai eu à 3€. Ils en demandaient 5 au départ. Et là, voilà, la négociation qui revient sur les brocantes, ça fait plaisir. Donc 3€ chacun. Un petit jeu de 360. Oui, nous avons le petit Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generation. C'était ultra long ce titre. Il est en excellent état. Celui-ci, je l'ai eu pour 2€. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que vous allez me dire, mais ça t'intéresse pas ça normalement, Naruto. Mais en ce moment, je suis en train de me refaire tout One Piece. J'ai regardé l'anime de One Punch Man. Je suis en train de faire My Hero Academia. Je suis re dans les mangas et je me suis dit, vas-y, on va se relancer dans les Naruto. En plus, 2€, c'était pas très cher pour débuter. Donc, on va voir si celui-là, il est plutôt sympa. Et puis, celui-là, si j'ai accroché, bah j'achèterai les autres, tout simplement. Voilà pour ce qui est de ce compte-rendu. Pas du tout. La dernière... En fait, j'ai menti, il y a bien une dernière chose. Alors, je sais pas pourquoi, c'était sur Instagram, c'était dans un gros sac de jouets. J'ai vu sa petite tête, j'ai fait, tiens, je vais le prendre. Alors, ça va pas forcément pour moi, je pense. Ça va être sûrement pour d'autres personnes, je vais voir. Donc, je l'ai eu pour 50 centimes. La dame voulait pas, en fait, dissocier l'eau, c'était un lot de Gormiti à 15 balles. Et je dis, mais ça fait pas partie de Gormiti, en fait. Donc, du coup, elle a bien voulu me le laisser à 50 centimes. Donc, voilà. Bon, elle est pas trop... Franchement, elle est pas abîmée, c'est juste qu'il faudrait la nettoyer un petit coup. Mais voilà, si les gens ils sont fans de DBZ, ça c'est plutôt pas mal. C'est une de 2012, je crois, il me semble. C'est ça, 2012. Donc voilà, je sais pas encore ce sera pour qui. C'était pas cher, j'ai pris. Voilà, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, on n'hésite pas. Sur ce, voilà, c'était assez court. J'ai pas trouvé des choses incroyables, mais je trouve que pour un début de brocante, bah ça fait plaisir. Moi j'ai le sourire. Et moi, clairement, c'est tout ce qui compte. J'avais le soleil, le sourire et la bonne humeur des gens. Et voilà, c'est vraiment très très cool. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans d'autres lives. Vite grenier. Allez, c'était la traqueuse.